Barbé est une SMAC, scène de musique actuelle. C'est un label délivré par le ministère de la Culture et qui regroupe un certain nombre de missions. Donc, les missions de diffusion, bien évidemment, mais aussi les missions de médiation, missions de soutien à la scène locale et plus que locale, missions de réseau et missions d'accompagnement en général à travers les répétitions, etc. C'est un festival comme on aimerait en voir, à mon avis, plus souvent, puisque la dimension économique est totalement mise de côté dans la mesure où ce festival se déroule gratuitement. Et il permet donc d'amener au plus près des territoires de l'entre-deux-mers, donc des territoires a priori dits ruraux, bien qu'à proximité de Bordeaux pour certains, des artistes qui n'ont pas l'occasion d'être vus dans des endroits qui sont pour le moins improbables des fois, à savoir un quai de gare. Alors le Crédit Agricole d'Aquitaine est venu nous voir il y a maintenant une douzaine d'années et nous a demandé si on pouvait imaginer quelque chose de l'ordre du partenariat. On a proposé la mise en place d'un tremplin qui s'appelle le Mosaic Rock Challenge. Et puis, de fil en aiguille, on en est arrivé à monter ce partenariat qui, pour nous, ne nous semble pas totalement incompréhensible dans la mesure où on est dans le même secteur de l'économie sociale et solidaire. En effet, le Crédit Agricole d'Aquitaine est une banque mutualiste. Nous sommes une association et nous œuvrons tous les deux dans le champ de l'économie sociale et solidaire. L'intérêt d'un tremplin musical comme le Mosaic Rock Challenge et de permettre à de jeunes groupes de se produire sur des scènes professionnelles. Ça, c'est l'intérêt numéro 1. Ce tremplin couvre 3 départements. Bien sûr, on n'est pas dans une histoire de compétition sportive, on est seulement dans une histoire d'exposition d'artistes qui ne pourraient peut-être pas le faire sans ce tremplin.